there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Salut à tous les amis, cette semaine on essaye le nouveau BMW X5 dans une version très sportive, le X5 M50D, avec ses 4 turbos et sa puissance de 400 chevaux. Cette quatrième génération de X5 nous revient plus puissante, plus large et plus technologique que jamais. On va tout vous détailler dans notre essai. Les amis, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche sur YouTube et de vous abonner à notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Moi je vous dis à tout de suite. BMW n'a pas inventé le concept du SUV, mais fait partie des précurseurs, puisqu'en 1999, ils ont lancé leur premier SUV, le BMW X5. Et en 20 ans, 2,2 millions de cet exemplaire ont été vendus à travers le monde. C'est un véritable succès pour la marque bavaroise, qui en a d'ailleurs profité pour lancer d'autres gammes de SUV, avec l'apparition du BMW X1, X2, X3, X4, X6, et aussi le vaisseau amiral apparu il y a quelques mois seulement, le BMW X7. Le modèle qui est derrière moi, c'est le nouveau X5 avec sa dénomination G05. C'est la quatrième génération du X5 en 20 ans. Je vais vous la détailler sur l'extérieur, l'intérieur, vous dire quel est son comportement routier et ses qualités en termes dynamiques. Et ensuite, je vous dirai s'il est plus intéressant de l'acheter ou de le prendre en location longue durée. Une des caractéristiques majeures de quasi tous les modèles BMW depuis les années 60, c'est ce petit pli, le pli Hofmeister, qui était un designer à l'époque pour la marque bavaroise. Et ce petit retour de coudée, vous le retrouvez sur quasi toutes les BMW. Mais autre signe bien sûr distinctif de toutes les BMW, c'est la calandre avant à double haricot, qui bien sûr a évolué au fur et à mesure des ans, mais qui, regardez aujourd'hui, est beaucoup plus haute que les modèles précédents. Aussi, sur ce modèle de BMW X5, on peut constater que les phares laser sont du plus bel effet. Regardez, ce sont des phares hexagonaux et je vais vous les allumer. Ils ont une portée de quasi 500 mètres. Et regardez, là on peut voir bien sûr les deux blocs de phares avec ce bleuté juste au milieu, ce qu'on voit ici. Et enfin, juste au-dessus, la grosse lame. Ce nouveau BMW X5 bénéficie de pas moins de 5 nouveaux moteurs. Deux moteurs essence avec le 40i pour commencer et ses 340 chevaux. Le 50i avec ses 530 chevaux qui n'est pas encore sorti en France. Ensuite, sur les motorisations diesel, vous avez un 3 litres diesel de 265 chevaux. Et vous avez également ce moteur que nous essayons aujourd'hui de M-Performance, le X5 M50D, avec ses 400 chevaux de puissance. Pour finir, une dernière motorisation, une motorisation hybride rechargeable qui propose une puissance combinée entre le moteur électrique et le moteur thermique de 394 chevaux. Donc sur le moteur d'aujourd'hui, qui est siglé M-Performance, c'est un moteur diesel, 6 cylindres de 3 litres de cylindrée avec pas moins de 4 turbos pour propulser le moteur. 4 turbos, c'est vraiment beaucoup sur un moteur comme ça. Et avec son couple de 760 Nm, vous avez une sensation de puissance quasi immédiate lorsque vous commencez à rouler avec ce véhicule. Il y a une boîte automatique à 8 rapports sur ce modèle qui est extrêmement bien étagée. Et enfin, au niveau consommation, elle est annoncée à 7 litres en moyenne aux 100 km. On a constaté sur nos 500 km d'essai une moyenne à environ 9 litres aux 100 km, ce qui est vraiment raisonnable pour un véhicule qui a un poids total qui culmine quand même à vide à 2 350 tonnes. Ce X5 M50D est très bien chaussé grâce à ses pneus Pirelli P0 et ses jantes de 22 pouces qui sont une option sur notre modèle d'essai. Il faut noter que la largeur des 4 pneus est quand même de 275 mm sur ce modèle. Nouvelle spécificité sur l'arrière de ce nouveau BMW X5, c'est le positionnement des sigles moteurs et du sigle X5 qui sont maintenant en dessous des phares et non plus au-dessus des phares comme sur les anciens modèles. Concernant le coffre, l'ouverture du coffre, regardez, sur la contre-porte, vous avez maintenant un petit bouton juste à côté du bouton de réglage des rétroviseurs et des boutons d'ouverture des fenêtres.
Alors ça m'a occasionné un petit problème dans les embouteillages. Je voulais régler mon rétroviseur. Malencontreusement, j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture. Regardez, hop, et là, juste derrière, ça va nous ouvrir le coffre qui s'ouvre en deux compartiments maintenant. Un compartiment en bas et un compartiment juste au-dessus. Vous pouvez bien sûr remonter le bas en appuyant ici. Et si vous voulez fermer les deux d'un coup, vous avez juste à appuyer sur le compartiment du haut. C'est assez simple. Je vais le rebaisser. Alors, il faut savoir que dans cette configuration, le volume proposé sur ce X5 est de 650 litres. Vous pouvez bien sûr l'augmenter si vous baissez les sièges arrière. Pour baisser les sièges arrière, c'est assez simple. Vous appuyez sur ce bouton et vous appuyez sur ce bouton et les sièges vont se baisser. Alors, autre chose, vous avez également ce bouton juste là. Et là, ça va vous permettre de sortir votre crochet d'attelage, bien pratique pour les gens qui ont une remorque à tracter. Alors, autre élément, pas de roue de secours dans ce modèle, il faut le savoir. Mais vous avez quand même sur le compartiment gauche du coffre, juste à côté de la croix, regardez, je vais le baisser, vous avez une trousse de premier soin qui est juste ici. Vous avez un triangle de signalisation, c'est dur à sortir. Et enfin, vous avez un gonfleur. Je ne vais pas vous le sortir, celui-là, pour le coup, il est vraiment plus dur à sortir. Donc, un coffre qui n'est pas parmi les plus généreux du segment, mais qui est quand même assez élevé avec ses 650 litres. Et enfin, si vous voulez fermer d'un seul coup votre coffre, vous appuyez sur le bouton qui est juste ici, sur le compartiment du haut. Quant au prix de ce X5 M50D, il démarre à 100 350 euros et notre modèle d'essai qui est juste derrière moi présente un prix de vente lui de 133 000 euros. Vous avez plus de 30 000 euros d'options dans le modèle qui est juste là. Il faut savoir que vous paierez un malus qui dépendra des jantes que vous choisirez. En émission de base, il fait 179 g de CO2 par kilomètre et avec les jantes 22 pouces que nous avons, il présente une émission de CO2 par kilomètre de 189 g. Ce qui lui conférera le paiement d'un malus de 9 973 euros à l'immatriculation. Ce nouveau X5 a pris pas mal d'embonpoints quand on compare sa taille par rapport aux précédentes versions. Sur la longueur, il a une longueur de maintenant 4,92 m. C'est 25 cm de plus que la première génération de X5 sortie, elle, en 1999. Sur sa largeur, on est maintenant sur une largeur de 2 m hors rétroviseur. C'est 7 cm de plus que la précédente version. Et enfin, sur la hauteur, on est sur une hauteur de 1,75 m. Donc forcément, pour ceux qui veulent utiliser ce X5 dans des zones urbaines, ça va être très compliqué, notamment dans les parkings. On a pu tester ça dans les parkings parisiens et je peux vous assurer qu'il y a des virages. Vous y prenez à 2 ou 3 manœuvres pour pouvoir faire tourner votre véhicule. Bien sûr, les passagers arrière bénéficient de cette augmentation de gabarit. Vous avez 4 cm de plus en empattement sur ce nouveau BMW X5. Et forcément, regardez, moi je fais 1,88 m et on est très bien accueilli à l'arrière. J'ai de la place sur mes genoux, j'ai de la place pour mes coudes et enfin pour ma tête. Regardez, j'ai autant de place que dans un Audi Q7 ou un Audi Q8. Et ça, c'est un gros point fort. Alors, autre élément à noter, vous avez un accoudoir central avec un petit rangement assez léger. Juste ici, deux portes gobelets, assez pratique. Et surtout, pour ceux qui aiment les sports d'hiver, vous avez la possibilité de ranger vos skis assez aisément. Ça, c'est un gros point fort. Aussi, vous avez ici, petite prise allume-cigare si nécessaire, aussi la possibilité de régler la température, climatisation, chauffage sur l'arrière, donc séparé droite-gauche, et vous pourrez aussi régler vos sièges, puisque vous avez les sièges chauffants à l'arrière de ce véhicule. Également des prises, donc juste sur le dossier des sièges avant, à droite et à gauche, et enfin juste ici, vous avez un compartiment pour mettre en fait les supports de tablettes pour vos iPads par exemple. Vous avez des poignées de maintien qui sont juste ici, vous avez des petites lumières que vous pourrez à votre guise choisir, et enfin ici, un petit élément pour placer vos cintres par exemple. Alors pour garder de l'intimité à l'arrière de ce véhicule, vous avez la possibilité de monter ces stores. Alors ils ne sont pas électriques, mais en tout cas ils fonctionnent très bien et ils vous permettront de rester à l'abri des regards indiscrets. Donc pour résumer, l'arrière de ce BMW X5 est vraiment très réussi selon moi. En plus il est vraiment lumineux avec la présence de ce toit en verre
panoramique. Et BMW a fait fort. Et enfin, vous avez énormément de place pour les passages arrière. Après vous avoir montré les places arrière, on va vous montrer les places avant. Et surtout, le magnifique tableau de bord. Mais avant, pour commencer, je vous montre une petite fonctionnalité que j'ai bien aimée sur cette voiture. Regardez, c'est ce bouton qui est juste ici. Lorsque vous l'activez, il y a un bouton vert qui s'allume et vous pourrez régler le siège passager avec les boutons du siège conducteur. Regardez, j'appuie sur les boutons du siège conducteur et j'ai le siège passager qui va se régler. Pratique si vous voulez régler le siège de la personne qui dort juste à côté de vous. Passons maintenant aux places avant. Donc à l'avant, bien évidemment, vous êtes également très 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 bien accueillis dans cette nouvelle BMW X5. Et on va commencer par le volant, donc un volant avec un cuir magnifique qui a un très très bon maintien, la possibilité juste ici d'activer le chauffage du volant. Bien sûr, beaucoup de boutons, là les boutons pour régler votre musique, la radio, le contrôle vocal et sur la gauche tout ce qui est afférent au régulateur de vitesse, système de maintien dans la voie. Vous pouvez changer les modes, le régulateur de vitesse adaptatif est aussi présent. Concernant l'instrumentation, vous pouvez le voir, je vais un peu baisser le volant que vous voyez mieux, voilà. Sur l'instrumentation, on a deux écrans de 12,3 pouces, donc un écran sur la console centrale et un écran d'instrumentation juste ici qui ressemble à celui qu'on avait vu dans la BMW 840D que nous avions essayé il y a quelques temps, donc il présente toutes les informations nécessaires comme la vitesse sur la gauche, le contour sur la droite. Et aussi tous les éléments concernant la consommation, la jauge à essence, la température extérieure. Vous pouvez aussi y afficher des informations du guidage et de la navigation qui peuvent se retrouver bien évidemment sur la console centrale. Alors il y a beaucoup de choses, hein. Vous avez, regardez si je me mets en marche arrière, hop, vous avez les caméras à 360 degrés qui sont à l'avant dans les rétroviseurs et aussi à l'arrière. Et vous pouvez activer l'assistant de recul qu'on vous montre aussi dans cet essai qui est extrêmement pratique vu le gabarit de la voiture. Alors c'est une voiture bardée d'options avec aussi, au-delà de la technologie, des éléments extrêmement classieux comme ce magnifique levier de vitesse en cristal qui fait partie du pack première classe qui est facturé tout de même 9 900 euros. Alors le pack première classe contient d'autres choses, d'autres éléments hein, que ce levier de vitesse en cristal, mais ça rajoute une touche de luxe à bord de ce véhicule. On notera la présence d'un rangement juste ici avec la possibilité de charger par induction votre portable, une prise allume-cigare, une prise USB, deux portes gobelets. Sur le centre, un grand accoudoir dans lequel il y a aussi une prise USB. Ça, très pratique. Et puis toujours la molette avec les différentes fonctions que vous pourrez retrouver. Alors, il y a une chose qu'il faut noter. Vous avez dans ce modèle la possibilité, je vais vous le montrer, de monter le son avec une commande gestuelle. Regardez, je vais me mettre ici. Là, je vais monter le son et là, je vais le baisser. Alors, vous pouvez aussi augmenter le son ici en appuyant sur ce bouton, voilà, et vous pouvez aussi le monter avec cette petite molette. Donc ça fait quand même trois commandes, il faut s'y retrouver. Au début c'est on se sent un peu décontenancé, il faut quand même trois, on a la possibilité d'avoir trois commandes pour augmenter le son. Bon, je trouve ça un peu trop, mais on se réjouira quand même d'avoir la possibilité d'avoir une commande gestuelle qui vous permet aussi de changer vos musiques en faisant tout simplement ici, vous avez entendu un petit bip, regardez. Je change de radio juste en faisant ça. Hop, attendez. Voilà. Bon, c'est assez pratique. On notera quand même que vraiment BMW a mis un point d'honneur à proposer des finitions de première classe pour le coup, pour reprendre leur expression, leur pack d'options. On a des finitions qui sont selon moi parmi les références comme Audi ou Mercedes. On est dans du grand luxe, hein, que ce soit la finesse des surpiqûres, les matériaux utilisés, la planche de bord recouverte complètement de cuir. On est dans une vraie voiture de luxe.
Avec son accastillage dynamique et ses jantes de 22 pouces, le X5 M50D ne passe pas inaperçu. Il a beaucoup de style et affiche un côté sportif très appréciable, notamment grâce à ses boucliers avant et arrière spécifiques ou encore les deux sorties d'échappement qui ne sont pas factices. Pour autant, il conserve une part d'élégance appréciable. On retrouve par exemple des inserts en aluminium autour des vitres, au niveau des entrées d'air ainsi que sur l'immense calandre. Et bien que la calandre ait une taille importante, on s'y fait très rapidement. Finalement, elle est dans le même esprit que le reste de la carrosserie, c'est-à-dire imposante mais classe. Même si ce X5 a 4 roues motrices, un look de baroudeur et un couple de camions, son évolution en tout-terrain sera limitée à cause de ses pare-chocs proéminents et ses jantes de grande taille. Vous pourrez tout de même vous consoler en évoluant sur des chemins de terre en bénéficiant d'un grip important grâce au système X-Drive de BMW. Énorme point fort lorsque vous êtes au volant de ce BMW X5 M50D, c'est son agilité et sa facilité à enchaîner les virages serrés. Et ça, c'est possible grâce à 3 éléments, les suspensions pilotées, sa barre anti-roulis active et enfin les 4 roues directrices. Et je peux vous assurer, malgré ces 2,350 tonnes, vous avez une sensation de dynamisme qui est tout simplement omniprésente. Plusieurs modes de conduite dans ce X5. Le premier et celui qu'on utilise le plus, c'est le mode confort. Le mode confort vous permet d'avoir un amortissement vraiment agréable, quelles que soient les conditions que vous rencontrez sur la chaussée. Vous avez un changement de rapport plutôt doux, les rapports se changent à un régime moteur assez bas. Si vous voulez augmenter le rythme, vous avez le bouton sport qui se situe juste ici. Et là, par contre, vous allez avoir un changement des rapports qui peut se faire à plus haut régime, un durcissement de la direction, un raffermissement de l'amortissement, et vous allez enfin pouvoir profiter des 400 chevaux de puissance de ce modèle. Et pour les plus écolos, vous aurez un mode EcoPro qui est là encore mieux que le mode confort lorsque vous souhaitez baisser la consommation moyenne à bord de votre véhicule. On va maintenant tester l'assistant de recul dans ce nouveau BMW X5. Vous allez voir, c'est bluffant d'efficacité. Donc là, je vais avancer d'une trentaine de mètres et je vais appuyer sur l'assistant de recul et le véhicule va venir se positionner tout seul, sans mon aide et mon action sur le volant, au même endroit. C'est simple, la seule action que j'ai eu à faire, c'est accélérer quand le véhicule en a eu besoin. Sinon, je n'ai eu aucune action à faire sur le volant. C'est ultra pratique. Beaucoup d'entre vous vont se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter ce genre de véhicule ou plutôt le prendre en location longue durée? La question va surtout se poser pour les entreprises, puisque lorsque vous êtes une entreprise et vous prenez ce genre de véhicule, que ce soit en achat classique ou en location longue durée, vous allez payer beaucoup de TVS. Et pour un véhicule comme celui que nous essayons aujourd'hui, vous allez payer quand même 3 700 € chaque année de taxes sur les véhicules de société. L'avantage de prendre ce genre de véhicule en location longue durée, vous allez pouvoir lisser le malus écologique que vous payez à l'immatriculation du véhicule. Et n'oubliez pas, sur ce modèle, le malus, c'est quand même 9 970 € à payer à l'immatriculation. Si vous voulez vraiment un devis exact sur ce genre de véhicule, allez sur le site levendeurautomobile.com, dans la section leasing, vous remplissez le formulaire et vous recevrez un devis exact.
conclure l'essai de ce nouveau BMW X5 M50D. On aura retenu parmi ses défauts un tarif qui s'envole avec le listing d'options proposé par le constructeur bavarois et aussi un encombrement en ville assez conséquent, notamment dans les parkings. Heureusement, il a beaucoup de qualités et ça commence par son confort, un confort tout simplement royal, aussi bien pour les passagers avant que les passagers arrière dans le véhicule. Il a aussi une tenue de route et un dynamisme hors norme pour son gabarit de 2,350 tonnes. Le moteur diesel est très réussi, aussi bien sur les bas que sur les hauts régimes. Le moteur continue à marcher vraiment très fort. Et pour finir, BMW a mis un point d'honneur à soigner la finition dans cette nouvelle version de son SUV phare, le BMW X5. Et ça, chapeau bas à BMW. Les amis, moi je vous dis à bientôt. Laissez un commentaire, activez la cloche. Allez, ciao!